récit de cette vie, on a vraiment le sentiment d'être rattrapé, précédé par bien plus de force dont on est capable, bien plus d'enthousiasme dont on se sentait véritablement possédé. Et c'est à ce moment-là que je sais pertinemment que ce n'est ni moi, ni elle, ni lui, ni vous, ni nous. Mais c'est là-haut. Alors je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais pas si c'est Dieu, Jéhovah, Hachem, Allah. Peut-être même que c'est une femme en fin de compte. Ne riez pas. En tout cas, ça existe. Et tous ces émissaires qui tournent autour de nous dans les moments les plus difficiles le prouvent. C'est une des plus belles chansons écrites par un des plus grands auteurs et compositeurs canadiens. Elle s'appelle Sarah McLachlan. J'avais envie de vous chanter cette chanson ce soir parce qu'elle fait planer au-dessus de nous un peu d'espoir, un peu plus d'amour, un peu plus de légèreté. You're in the air.